Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'Oasis de Zara, un donjon adaptatif du level 40 au 80. Tout comme pour le ravin Ymirien, je vous remets rapidement le pourquoi vous pourriez venir à l'Oasis. Prenons maintenant quelques instants pour observer la carte du donjon. En rouge, vous retrouverez les 4 boss obligatoires du donjon, Robroten, Makteb, l'hippopotame affamé et le chef tribal. En blanc, vous aurez les 2 spawns optionnels du boss Telico et le boss Mertourte. Maintenant que vous avez vu l'emplacement des boss, nous pouvons passer au donjon. A l'inverse du ravin Ymirien, l'oasis de Zara ne possède pas de chemin plus rapide qu'un autre. Il vous suffira simplement de suivre la route. Concernant les boss, la plupart n'ont qu'une seule capacité, un saignement, un fir, un KB, et n'ont donc rien d'exceptionnel. Un seul des boss a une petite tactique pour l'invoquer, il s'agit de l'hippopotame affamé, nous y reviendrons plus tard. D'ici là, je vous laisse donc profiter du donjon tranquillement en musique et nous nous retrouverons pour l'hippopotame affamé.
Vers la fin du donjon, vous trouverez un grand oasis rempli de crocodiles. C'est ici que vous pourrez combattre l'hippopotame affamé. Pour ce faire, vous devrez l'invoquer. Vous devrez donc tuer la totalité des crocodiles présents, attention de ne pas en oublier quelques-uns. Une fois fait, vous pourrez cliquer sur le corps de chasse que nous voyons à l'écran actuellement, et l'hippopotame sera invoqué. Ce dernier va chercher une proie à dévorer, qu'il ne trouvera pas vu que vous avez tué tous les crocodiles, et une fois son petit tour terminé, vous pourrez l'engager. Une fois le chef tribal vaincu, bravo, vous avez terminé l'oasis de Zara. J'espère que cette petite vidéo sur l'oasis de Zara vous aura plu. N'hésitez pas à passer nous voir sur le serveur PVE Chrome, à vous abonner à ma chaîne ou à aller voir mes autres vidéos. Ciao !